Schématiquement, il y a deux modes de reconstruction possibles, mais en fait, à partir de ces deux modes de reconstruction, il y a plein d'hybrides possibles. C'est-à-dire qu'on prend une partie de la peau, de la graisse et du muscle du dos, qu'on laisse attacher par un pédicule vasculonerveux qui est dans l'aisselle. Donc ça part du dos et ça pivote pour repasser devant. Et si la personne a suffisamment de tissu dans le dos pour avoir un volume équivalent au sein de l'autre côté, on n'est pas obligé de rajouter une prothèse. Et quelquefois, le plus souvent, on fait mixte, c'est-à-dire qu'on met une prothèse pour faire une partie du volume et le lambeau du dos pour faire les tissus de couverture et une partie du volume. Il s'ajoute à ça ce qu'on appelle les fillings, c'est-à-dire qu'on est capable maintenant d'aller prélever de la graisse quelque part par l'hypossution et d'utiliser cette graisse pour, en la réinjectant ailleurs. Les résultats des reconstructions mammaires ont été transformés par les fillings. Parce que devant une reconstruction donnée, le fait de pouvoir prendre de la graisse ailleurs et d'aller resculpter par-dessus pour affiner la forme, ça nous a donné des ailes. C'est-à-dire qu'on est capable, à partir d'une reconstruction médiocre, d'obtenir un très bon résultat grâce à la graisse. Donc euh, entre les implants, les lambeaux, que ce soit le dos ou le ventre, et la graisse qu'on peut utiliser par l'hyposuction, on a quand même un arsenal euh, de... thérapeutique qui nous permet d'avoir des reconstructions d'assez bonne qualité.